Bonjour, soutenez-nous sur Tipeee, car sinon, nous allons être obligés de restreindre nos diffusions. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a bouleversé complètement le Moyen-Orient, et bien entendu le Liban, puisque nous allons parler de la guerre civile libanaise. Guerre civile libanaise qui dura 15 ans. 15 ans, de 1975 à 1990, vous vous rendez compte. Pendant ce temps, les milices libanaises, quelles qu'elles soient, et palestiniennes, s'entre-déchirèrent. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Alors, que s'est-il passé pour qu'un pays prospère, qu'on nommait à ce moment-là la Suisse du Moyen-Orient, bascule complètement dans la guerre civile? Sur un atlas, le Liban apparaît sous la forme d'une tache minuscule, comme un coquillage déposé sur le rivage d'Asie par les vagues de la Méditerranée orientale. Ce petit pays a néanmoins connu toutes les grandes civilisations classiques, dont il a gardé la tradition d'un niveau culturel élevé. Les 1 600 000 habitants sont en légère majorité chrétiens, maronites et orthodoxes, par rapport aux musulmans. La langue maternelle est l'arabe, mais on parle couramment le français et l'anglais. La capitale, Beyrouth, métropole du commerce proche-oriental, est de fondation très ancienne, mais présente un aspect moderne. La République libanaise est peu industrialisée. Son atout économique majeur réside dans le tourisme, grâce à sa longue et belle côte maritime, ses montagnes salubres et ses admirables paysages. Alors, tout d'abord, la constitution libanaise est basée sur un pacte national. Pacte national au terme duquel la présidence de la République va à un chrétien maronite, celle du gouvernement va à un musulman sunnite, et la présidence du Parlement libanais va à un chiite. Bon. Dans cet environnement, à partir de 1969, les partis palestiniens de résistance et de libération commencent à s'installer au Liban, où il y a une tradition assumée d'accueil des réfugiés palestiniens. Eh oui, tradition assumée. Mais arrive un événement qui va transformer complètement le climat paisible libanais. C'est en Jordanie. Jordanie qui elle-même accueille l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, sur son sol. Et c'est là, c'est en Jordanie que va se jouer le premier acte de cette tragédie. En effet, une tentative de l'OLP et de Yasser Arafat d'assassiner Hussein de Jordanie, le roi Hussein de Jordanie, qui régnait donc sur son pays, échoue. Hussein riposte et c'est Septembre Noir. Septembre Noir, des combats furieux entre la garde nationale jordanienne et les Palestiniens. Zarqa est aux mains des Fedaïnes depuis 8 jours. Mais depuis 2-3 jours, des combats se déroulent à Zarqa. Il faut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas qui tire sur qui. Ce que l'on sait, c'est que l'armée royale n'est pas dans Zarqa, elle est autour de Zarqa, et de temps en temps, elle lance des petits commandos pour essayer de tâter, si vous voulez, la situation. Et à chaque fois, 5 fois, 6 fois déjà, ces tout petits commandos, ces commandos minuscules de l'armée royale ont été repoussés par les fedaïnes, et évidemment, il y a eu des morts et des blessés.
l'OLP est finalement obligé de fuir. L'OLP s'installe au Liban. Ah. À partir de là, le sort du Liban en est jeté. En effet, Israël ne va pas voir d'un bon œil l'implantation de ces mouvements de résistance sur sa frontière avec le Liban. D'autre part, nous sommes encore dans la guerre froide. Moscou aide la Syrie, Washington, Israël, bien sûr. Des coups de main sont effectués par les Palestiniens sur la frontière du sud-Liban. Tzal répond par des bombardements. Moi, je reviens de Damas où j'ai suivi les voyages du président Nixon, donc président des États-Unis, au Moyen-Orient. Nixon, comme Kissinger, veut la paix au Moyen-Orient. Donc, il va voir les différents protagonistes égyptiens, syriens, jordaniens du Moyen-Orient. J'ai pris la route, donc, en revenant de Damas, qui mène au sud Liban. D'un seul coup, stupeur, des explosions partout. Des avions dans le ciel. Il y a un bombardement devant moi. Je sors, prends les boîtiers et je fais ces quelques photos. Alors, les incidents entre l'OLP au Liban et Israël se multiplient, mais pas seulement. L'hostilité entre la résistance palestinienne et les partis maronites libanais monte de plus en plus. Parti maronite chrétien libanais. Alors à ce moment-là, Pierre Gamaliel, chef du parti chrétien libanais, Kataeb, les phalanges, lance un appel au désarmement des Palestiniens. Le 13 avril 1975, Pierre Gamaliel assiste à l'inauguration d'une église. Une automobile passe, mitraille, son garde du corps est tué, lui, il est blessé. Dans l'après-midi, des miliciens des phalanges libanaises de Gamaliel mitraillent un autobus. Il y a 27 morts et les affrontements se généralisent. Palestiniens et phalangistes dressent des barricades, s'affrontent au fusil, à la roquette, au lance-roquette, dans Beyrouth. Beyrouth qui va être dévastée. Beyrouth, 13 avril 1975, des combattants du FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, célèbrent l'anniversaire de leur premier raid, celui du massacre, un an plus tôt, de Kiryat Shmoné, un village israélien à la frontière libanaise, un massacre qui fait 18 morts civils, dont 9 enfants. Le 13 avril au matin, Pierre Gemayel, il est le chef des phalanges chrétiennes libanaises, échappe à un attentat perpétré par les fedaïnes, les combattants palestiniens. Pierre Gemayel a toujours dénoncé la présence armée palestinienne au Liban. L'installation de plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens au sud du pays a bousculé l'équilibre démographique entre les communautés libanaises. L'arrivée des réfugiés palestiniens divise.
Des Libanais épousent la cause révolutionnaire palestinienne, d'autres rejettent la présence militaire des Fedaïn qui arrivent au Liban après les accords du Caire de 1969. Accord qui légalise la présence armée des Fedaïn au sud Liban. L'attentat qui cible Pierre Gemayel ce matin du 13 avril fait 7 morts, dont l'un de ses gardes du corps. Quelques heures plus tard, environ un millier de Fedaïn défilent dans Beyrouth. Une parade militaire qui fait suite aux célébrations du massacre de Kiryat Shmoné. Les manifestants sont enhardis par leur propre force. Le cortège scande des slogans marxistes-léninistes et s'engage, arme à la main, en dehors du quartier palestinien, dans le quartier chrétien d'Ain Roumane à Beyrouth. La population assiste inquiète à la manifestation. Elle redoute des affrontements avec les phalangistes. À Beyrouth, chaque quartier est un bastion politique. Le cortège se disperse. Aucun incident n'est à signaler. Les Palestiniens prennent la route du retour vers les camps de réfugiés où ils habitent. Un bus qui transporte des Palestiniens du camp de Tel Zaatar est attaqué par les milices phalangistes. Représailles au meurtre du matin. 31 passagers sont tués. Les trois jours qui suivent plongent Beyrouth dans la terreur. Les habitants sont terrés chez eux, les explosions défigurent la capitale libanaise. La ville appartient aux combattants. Les rues se transforment en champs de bataille, Beyrouth est à feu et à sang. Ce 13 avril 1975 marque le début d'une guerre qui s'achèvera 15 ans plus tard. Une guerre qui met aux prises les principaux acteurs du Proche-Orient et du Moyen-Orient, Israël, Syrie, Iran. Un conflit qui fera entre 130 000 et 250 000 victimes. Moi j'arrive au Liban un peu plus tard. J'arrive de Saïgon, où j'ai été retenu, comme tous les journalistes qui étaient présents, par les communistes vietnamiens. Ceci est le premier épisode d'une série sur la guerre du Liban. Si vous avez aimé ce petit épisode, n'oubliez pas le pouce, partagez et à bientôt. Au revoir.